Toi, tu devrais vraiment aller faire un tour chez le dentiste. Je sais pas si t'as vu tes dents. Mais non, c'est des fausses dents, je me suis déguisé pour Halloween. C'est le jour où on se fait peur. J'ai complètement redécoré la larve. Alors vraiment, toi, va falloir que tu penses à grandir un jour. J'attends à grandir, yo. Je suis vraiment désolé, mais nous n'avons pas d'autre solution. Ne vous en faites pas, capitaine, nous comprenons. Nous avons besoin de fonds pour entretenir ce navire. Oui, et aussi pour payer l'équipage. Chut, les voilà qui arrivent. Voici les fûts contenant les produits toxiques. Comme convenu, vous nous en débarrassez. Mais surtout, ne les ouvrez pas, c'est très dangereux. Parfait, je vais te le navener. Embarquez-moi tout ça. Ouf! Eh ben voilà une bonne chose de faite. Enfin seul, j'ai une petite faim. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien grignoter? Je t'ai bien eu. Comme j'avais pas de citrouille, j'ai creusé les goudas. Dégage avec tes jeux débiles. Et ne touche plus jamais mes goudas ou je te casse la tête. Un vrai décor de Halloween. On fait Halloween chez vous, Svetlana. Quoi? Je vous ai bien eu. Ça fait du bien de rire un peu. Merci, Svetlana. Ah, tu parles, c'est débile comme fête. Non, oh, Benny. C'est peut-être pas aussi drôle que le nouvel an chinois, mais ça amuse quand même. On a frôlé la catastrophe. Benny, vous allez descendre dans la cale, vérifier la cargaison. Oh là là, c'est vrai, capitaine. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as... Oh, c'est en train de couler sur mes goudas. Des goûts d'affluo, c'est magnifique. Franchement, qu'est-ce que t'as fait à ma rat-bord? Elle était figurée. Par ici, petit Picasso, je crois que tu me dois une petite explication. Rasmo, je te l'ai déjà dit 10 000 fois, tu ne touches pas ma rat-board. Rapido, les goudins, ils sont vivants et ils sont venus sur Terre pour nous manger. Rasmo, ce genre d'excuse bidon, ça prend pas avec moi. C'est pas une excuse, les goudins vont nous dévorer. Écoute, Ras, je vais pas y aller par quatre chemins, tu commences à me... Ha ha, très drôle, Rasmo. Je m'appelle pas Rasmo, je m'appelle Gory. Pas mal, les effets spéciaux, vraiment, je suis épaté. Bravo, mon pote. Mais je me demande comment t'as fait pour faire parler le camembert. C'est des goudins, ils sont vivants. Non, vraiment, mais comment t'as fait, hein? Qu'est-ce que t'es chou. Oh, je vais t'engloutir en moins d'une seconde. Hé, hey, Gory, Mivo, amenez-vous. Regardez-moi un peu ce bolide. Le grand maigre est arrivé dessus tout à l'heure. Ça vole. Faites bien attention quand même, parce que ça va très 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 vite. N'oubliez pas de mettre la ceinture de sécurité, c'est important. Non, c'est pas une blague. Hey, comment on fait pour démarrer? Le bouton rouge. Le pied.
les émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Moi aussi. Moi, je prendrais bien le petit gros, il m'a l'air assez dodu, c'est comme ça que je les aime. Rapido, défends-moi, il veut me manger, le laisse pas faire. Non, non, c'est ça, vous avez raison, mangez-le, il y en a pour trois. Moi, mon rayon, c'est les comestibles, c'est pas les produits toxiques. Benny par-ci, Benny fait ça, Benny oui-oui, oh là là. C'est qui celui-là? Les grosses tomates à quatre pattes, j'aime pas. Mais c'est une saucisse à pâte, c'est délicieux, c'est une spécialité chinoise. Ouais, une chinoiserie, pourquoi pas. Et en plus, il est dans son emballage fraîcheur. Et inutile d'ouvrir le paquet grâce à sa paille qui est juste derrière. Ouais, ouais, j'ai l'estomac qui gargouille. À table! Vite, faut qu'on se tire. Les feux sont toujours là. Hey, apparemment, tout va bien. Nos frères, emprisonnés et entassés par milliers. Oh, non mais regardez, il y a la chose à pattes qui tripote une de nos croûtes. Ce soir, tartiflette, rien de tel pour faire remonter le moral. Wow, du gouda à la menthe, c'est joli. Svetlana, que j'adore naviguer sur cette mer déchaînée. Vous m'avez bien eu. Capitaine, capitaine, nous sommes attaqués par des gouttes à verre fluo et ils rigolent pas du tout. Vous avez décidé de fêter Halloween, vous aussi? Il y aurait comme quelque chose à revoir dans le costume. Vite, vite, ils vont revenir. Mais pourquoi t'as pas fait le plein avant? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais y'a qu'à moi que ça arrive. Allez, démarre. Rasmo, vite. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues. Je connais une cachette. Ce sont eux, ça y est, c'est la fin. Svetlana, je crois que nous avons des clandestins à bord. Jouissant, ces trois clowns. Eh, bonne question, mais je mangerai n'importe quoi tellement chez les crocs. Même s'ils sont déguisés pour Halloween, je ne veux pas de clandestin. À la table! À la table! Et la prochaine fois, vous penserez acheter un billet. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Ouf! Ici, on est à l'abri. Pendant que l'équipage il se fait bouffer, on va tous mourir ici de faim, on n'a rien à manger. Mais non, qu'est-ce que tu crois? J'ai tout prévu. Ding, ding. Des mini gouda. C'est du 0% de matière grasse en plus. Miam, 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 miam. À table.